Eh bien, bonjour à tous, c'est Alex Benito. On se retrouve sur Roger Le Maire, la sélection des champions PlayStation 1. On est sur le jeu de 2001. Pourquoi j'ai choisi celui-là? Tout simplement à titre de comparaison avec Guirou Manager qui était aussi sorti en 2001. Donc voilà, on est pour la même année. Et pour le moment, vous avez vu le trailer d'introduction. Waouh! C'est beau! C'est très très beau! Donc on va partir sur ce jeu-là. Alors on peut faire un match amical ou une nouvelle partie, afficher des scores ou options. Bon, on va faire une nouvelle partie. Voilà, je découvre un petit peu. Ça a très bien marché. Ça vous avait plu, voilà, de changer un petit peu et de revenir sur les anciens jeux avec Guirou Manager. On est maintenant sur Roger Le Maire, la sélection des champions. Et en cherchant un petit peu, c'est vrai qu'il y a énormément de jeux manager comme ça qui sont sortis sur console. Vous m'avez conseillé FC Manager 2007, je crois, qui était plutôt sur PS2. Donc là, on va essayer, mais c'est vrai que niveau émulateur, la PS2, c'est un petit peu plus compliqué. J'ai cherché, j'en ai trouvé toute une flopée d'anciens jeux comme ça, de foot. Alors pourquoi pas, c'est vrai que maintenant, on a l'habitude, c'est soit FM, soit FIFA, soit PES, on en a que 3. Alors qu'avant, il y en avait énormément, on avait beaucoup de choix dans les jeux de foot. Donc on va partir sur une nouvelle partie. Donc c'est soit en championnat français, soit en championnat anglais. On pouvait jouer à deux. Alors ça déjà, c'est très bien je trouve. On peut se mettre à deux joueurs. Jeu entier challenge, on va mettre jeu entier. Tout le personnel. Jeu rapide désactivé, on va partir en France. Et à titre de comparaison, sélectionner une équipe. Bastia, Nancy-Lorraine, SC Bastia, Nancy. Ah d'accord. Ah non mais je suis con. Oui, ok. Girondin de Bordeaux, en avant Guingamp, le LOSC, l'Olympique Lyonnais, Marseille, Metz, Nantes, le Paris Saint-Germain, etc. C'est vrai que la dernière fois j'étais plutôt parti vers Lyon, pourquoi pas essayer de partir vers l'OM. Les options de jeu. En tout cas c'est bien foutu. Bien foutu je trouve. Entraînant, c'est quoi ça? Ah ok, on va mettre Alex Benito évidemment. Alors c'est vrai que, bon, Guirou, je vais pas continuer la carrière évidemment. Je peux pas mettre des minuscules. Merde, j'ai mis jouer, j'ai pas eu le temps de rentrer tout mon nom. Bref, Guirou, voilà, je pouvais pas continuer la carrière. Après si on trouve un bon jeu, pourquoi pas. Pour le tirage au sort de la Coupe d'Europe des qualifiés, Sturmgraz contre Feyenoord. Eh, c'est bien foutu. Linsbrook contre Valencia. MTK Budapest jouera contre Rosenborg. Dynamo Kiev. Ceci met fin au tirage au sort. Bon, en tout cas c'est bien foutu, ça commence bien les gars. Ok, donc là on a les vrais noms. On a Stéphane Trévisan, William Gallas, Zoumana Camara, Jérôme Leroy si je me trompe pas, Philippe Blondeau, Bakaoko, Georges Weah, Grégorini, Bartonado, Cyril Pouget, Brando, Benjamin Gavanon, Marcelinho, Maurice, Mouret. Ok, c'est sympa, j'aimerais bien voir les autres équipes. Juste à titre de comparaison, en tout cas, voilà, c'est vraiment sympathique. Trié par talent, c'est William Gallas, évidemment, le meilleur joueur de l'équipe. Ok. Alors, est-ce qu'on peut aller voir les tactiques? Voilà, on a la tactique ici. Non, ça c'est pas du tout la tactique de l'OM, ça. Est-ce qu'on peut la modifier? Est-ce que je peux modifier la tactique? Ah ouais, c'est bien foutu, c'est animé en plus, voilà. On pourrait partir comme ça. Non, là c'est très attaquant. Voilà, un 4-4-2 classique. C'est vrai qu'à l'époque, ça se faisait pas mal, ce petit 4-4-2. Ah, il y a pas mal d'options. On peut quand même pas jouer avec 5 défenseurs. On va partir sur un 4-4-2 classique. Le rôle des joueurs, on verra. Il y a beaucoup de choses à voir, en tout cas. Ok, donc en termes tactiques... Ça c'est l'effectif. Tactique d'équipe. Ok, on reverra ça tout à l'heure.
Ouais, William Gallas, on va pas le mettre ici, hein. Voilà. Et Gauthier, on va le virer au milieu de terrain. On a Engesson, le roi, Belmadi. On va trier par talent, du coup. L'attaque, on met Bakayoko et Georges Weah dans le 4-4-2. Ça, c'est pas mal. Au milieu de terrain, qui c'est qu'on va mettre? Marcelinho. On va remplacer Ngoti. Hein. Voilà. Enfin bref, on verra ça lorsqu'on aura de match. On n'a pas de message. Ça, ce sont les équipes avec les statistiques. C'est bien foutu, les gars. C'est vachement bien foutu, je trouve, en tout cas. C'est, je me retrouve un petit peu mieux. Ok, marché transfert. Alors là, déjà, c'est bien. Je vais retrouver Véron, Figo, Zinedine Zidane. Ah, c'est dingue. Est-ce qu'on va recruter Zizou? 320 millions de francs. Ah la vache. Je sais pas combien j'ai, moi. Thierry Henry, Rivaldo. Oh là là, Raúl Ronaldo, ça fait plaisir. Shevchenko, Mendieta, Francesco Totti, Ryan Giggs, Nedved, Harry Kewell, Morientes, Miku. Oh, c'est beau. Oh, c'est tellement beau d'avoir ces joueurs-là. Ludovic Julie. Thuram, est-ce qu'on recrute Thuram à l'OM? Ah, c'est sympa. Gallardo. Ouais, Gallardo. Bon. Bon, bon, bon. Je sais pas. Ah, c'est, j'ai 175 millions de francs. On pourrait recruter Van der Sar. Michael Owen. Michael Owen. Il a 21 ans. Ah ouais, 21 ans, Michael Owen. Oh mon dieu. Ah là 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 là. Ah, ça fait bizarre de dire ça. Michael Owen, 21 ans. Nesta, 24 ans. Ah non. On va trier par talent, là. Écran dénicheur de talent. Observer adversaire. Ok, on a envoyé un dénicheur. Pourquoi pas. Ça, c'était le mercato. Les finances, ok, très bien. Le stade. On a les tribunes et tout. Putain. Et c'est bien foutu, hein. C'est le vélodrome. Ah ouais. C'est bien foutu. Alors comment on avance maintenant? Comment on avance? Peut-être sur le ballon ici, voilà. Avancer d'un jour. On a le trophée des champions. Tiens, super. On va commencer directement. Le gameplay avait l'air beau. J'ai recruté Lama. Bon. Dénicheur 3, 50 ans. Bon, voilà, on a un dénicheur de talent en plus. Et c'est Lama. Ok, pourquoi pas. Pourquoi pas essayer d'avoir des joueurs. Chercher un attaquant, disons. On va chercher un attaquant. Attaquant centre. Voilà. Pas tous les joueurs qui sont sur la liste des transferts. Qui sont transférables. Transférables, parce que je pense qu'il y en a qui sont intransférables. Sélectionnés, non? Liste des prêts. Tous les joueurs. On va dire qu'ils sont transférables. 31 millions. C'est vrai que là, du coup, on n'a plus Thierry Henry, hein, c'est normal. Est-ce qu'on connaît des joueurs là? Évidemment, on ne pourra pas avoir Thierry Henry. Mamadou Niang, 21 ans, il joue à 3. On pourrait faire le transfert avant qu'il se fasse CRL. Luca Toni, 23 ans. Ouais, ça fait bizarre, personne ne le connaissait. Du coup, nous, on connaît les noms, mais à l'époque. Ça fait un petit peu bizarre, c'est vrai. Du coup, si on met tous les joueurs, je pense pas qu'on puisse recruter Thierry Henry. Ou ces joueurs-là, quoi. Même si là, je mets le prix sur, sur Antonio Cassano. 18 ans, oh là là, la vache.
Frédéric Canouté, qui était même pas au FC Séville, il était à West Ham. Baptiste Touta, Nuno Gomez, David Trezeguet. On va tenter David, hein, mais bon. Le salaire est rouge. Ouais, parce qu'on peut proposer. Du coup, ça va bloquer niveau salaire, effectivement, début du contrat. De petites clauses. Mais à mon avis, je pense que ça va bloquer. J'ai fait une offre pour David. Mais je pense que ça va bloquer parce qu'on n'a pas de quoi faire. On n'a pas de quoi lui mettre un gros salaire. Ah, c'était ça le trophée des champions. Ben, c'est le FC Nantes qui le remporte. Et oui, 2001. 2001, Nantes qui avait été champion de France. Enfin, plutôt en 2000, hein, je crois. Je crois bien. Bon, ok, ça j'ai vu. Faut pas quitter. Ok. Déconnecter le mode match. Très bien, peut-être que ça passe vite. Les petites infos en bas. Ben écoutez, pourquoi pas. Je trouve ce jeu assez bien foutu. Est-ce qu'on a un match? Alors là, on n'a rien, pas de match à jouer cette date. Marseille 3. Ben allez, on va avancer jusqu'à Marseille 3. Ok, souhaitez-vous le lire? Pourquoi pas, on peut voir ce que ça donne. Heurtebis, etc. Ouais, ben ça, on s'en fout. Quitter le rapport. Je veux jouer. Je veux jouer. David Trezeguet, ben voilà, forcément. Non, on renégocie pas. On efface le message. Bon, allez, on va essayer de faire quelque chose d'un peu plus réaliste. Donc, sur la recherche, joueur transférable, un indifférent, on pourrait avoir Overmars, du FC Barcelone, 150 millions, Smithser, Solari, Guigou. Ça, c'est H l'école, je suppose. Ben non, il est attaquant. Alan Cole, je sais pas. Fran était pas mal, il joue la Corogne. Je crois qu'il a joué au Barça, mais j'en suis pas sûr. Leonardo du Feyenoord. Dani Levicius, ça c'est un nom que je connais, il joue à Arsenal. Bah, le meilleur, ça serait Overmars. Ça serait une très très grosse recrue, Overmars. Ce serait une énorme recrue. Bon, on va le tenter de toute façon. De toute façon, on s'en fout un peu. Hein. C'est pas une carrière qui est destinée à être suivie. On va tester plein de jeux comme ça. Plein de jeux de gestion, de simulation. Pourquoi pas de gameplay aussi, où on peut directement jouer. Oui, bah non, j'ai pas envie. Hein. On avance, on va bientôt faire notre premier match sur le banc de l'Olympique de Marseille. Le voilà, évaluation, ouais, attends, 3 est meilleur que Marseille. C'est quoi ce match? Trevisan, Dos Santos, Gotti, capitaine, Zoumana, Camara. Pourquoi c'est pas moi qui ai choisi la compo? Il ou Galas? J'avais mis Galas, moi. Bon. Gousset, ouais, je connais pas grand monde. Bon, pourquoi pas. Oh là là, putain. Trajectoire du ballon, ça c'est dégueulasse. Oh là là. Ah oui, le trailer était beau, mais alors là. Putain. Putain, c'est quoi ce bordel? Ah ok, ça c'est moqué. Allez, on a attaque totale. Est-ce qu'on peut... Oh, il y a quoi? Il y a un très bon coup franc. Putain, ça va très très vite par contre. Ça va très très vite le... Est-ce qu'on peut le modifier? Encore un coup franc. Va-t-il le tirer? Ok, donc ça c'est les tactiques. Défensive, garder le ballon. Attaque totale. Ou garder le ballon. Bon, j'ai mis attaque totale. Voilà, on entend le coach qui gueule. Ça c'est pas très bien fait.
Oh, pénalty! Pénalty marqué par Touraine. Ah ouais, ouais, là ça fait beaucoup moins rêver que le petit trailer qu'on a vu. Hein. Ça c'est de la publicité. Mensongère, 2-0. Le but de Gousset. La Gousset, la Gousset. La Gousset, la Gousset. La gousse d'ail. C'est le cas de le dire là, c'est terrible. Il n'y a aucun moyen hein, de... J'ai testé toutes les touches. Allez, garde le ballon. Voilà. Ouais. C'est pas ouf en fait le moteur graphique. Hein. On voit absolument rien. On voit absolument rien. Le ballon a une physique dégueulasse. La faute là. Après, c'est vrai que le point fort du jeu, c'est les menus. Oh putain, il est tout seul lui. Le point fort du jeu, c'est les menus, c'est une ambiance, c'est plutôt bien foutu. En termes de gestion, après ça arrive, le moteur, hein, il est pas ouf. Mais bon, quand même moyen de s'amuser, je pense. C'est la mi-temps. Ça va assez vite, hein. Ça va assez vite. Ouais, c'est pas terrible. 3 tirs, 3 cadrés pour nous. 3 tirs, 2 cadrés, 2 buts pour 3. Le réalisme. Deuxième période. Allez, allez. Bon. Tout le monde à l'attaque. Tout le monde à l'attaque de toute façon. Coup franc. Et ouais, leur gardien. Oh là, la petite boulette là. Leur gardien est cheat. Mais pourtant, ça passe vite. Hein. J'ai pas mis un match rapide. Hein. Si je mets match rapide. Ah, si je mets match rapide, c'est invisible. Donc, c'est pas match rapide. Je pense qu'on est en meilleure caméra possible. La caméra 1. On peut faire des changements. On peut même pas faire des changements? Ah, remplacement. D'accord, donc là, il m'a fait n'importe quoi. Et il m'a même pas mis... Il m'a même pas mis William Gallas sur le banc. Alors, je sais pas si c'est ma faute ou quoi. Mais, ouais. J'ai pas du tout l'équipe que j'avais annoncée. Et 3-0. 3-0, le doublé de Gousset. Bizarre, on ne met même pas les ralentis. Oula. C'est Ligno. Le mur est 3 et 4-0. C'est quoi ce jeu de malade? 3 qui bat l'OM 4-0. Bon. Que ça soit en 2016, je veux bien le comprendre, mais là, il y a un petit souci. Il y a un petit souci. Tu vas voir, on va acheter Overmars. Très grand joueur des Pays-Bas et du PSV Eindhoven. Bon, il y aura penalty là, non? Ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Non. C'est pas folichon. Oh là là. Le but de Djukic. Franchement, de ce côté-là, j'adore les menus de ce jeu et la façon dont c'est gestion et la façon dont c'est fait pour les tactiques. Mais autant le moteur de match, je préférais celui de Giroud 2001. Manager 2001. Donc voilà, hein, chacun ses points forts et ses points faibles. On verra au prochain jeu. C'est vrai que vous m'avez proposé FC Manager. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Je sais plus. Je sais plus, Roger Le Maire. Il y a plein de jeux de foot et de manager comme ça. Ouais, bon, bah on prend 5-0, va savoir. Cherche l'explication logique. Waouh. Allez hop, on déco. Il n'y a pas d'explication logique à ce résultat. Mais enfin bon,
C'est quand même sympathique. On va avancer pour voir si le transfert peut se réaliser. Et on va bientôt s'arrêter. Et puis, n'hésitez pas à donner votre avis sur ce jeu-là si vous l'avez eu sur PlayStation 1. Moi, c'est vrai que je ne l'avais pas. Mais si vous avez eu d'autres jeux, pourquoi pas y jouer, pourquoi pas que je vous fasse une découverte, un test. Il y a pas mal de choses qu'on pourrait faire avec ces anciens jeux. Je pense que ça pourrait être intéressant. Non. Et est-ce qu'on peut quitter? On va essayer de faire un match amical avec des plus grosses équipes. Pour terminer, aller sur du gameplay, parce que là, perdre 5-0, c'est pas du tout la marque de fabrique Benito, hein, tout ça. Match amical. Ah, ok. Bon, on va prendre une équipe anglaise. On prend qui? On prend Arsenal. Division 1 anglaise, attends. Première chip, ouais, plutôt. Donc, il y a les 4 divisions anglaises, mais par contre, il n'y a pas de... Entraînons, on fout. L'ordinateur, on va quand même mettre une autre équipe de... Est-ce qu'on met une équipe de Ligue 1 qui est plutôt forte, ou est-ce qu'on met une autre équipe de première chip? Arsenal-Chelsea. Voilà, on se fait un petit derby. Un petit Arsenal-Chelsea, voilà, pour finir. On sera donc à Highbury, l'ancien stade. Et j'ai pas le temps de faire ma compo. Siman, Grimandi, Adams, Patrick Vieira, Freddy Ljungberg, Thierry Henry, Dennis Bergkamp, Sylvain Wiltord sur le banc. Côté de Chelsea, on a Franck Leboeuf, Marcel Desailly, ouais, Hasselbank, je connais, bien après. Il y a Di Matteo et Gunn Johnsen sur le banc. C'est con parce que là, on peut pas gérer les tactiques. On nous envoie directement comme ça. On nous envoie directement dans le match. Et à part dire attaque totale, balle longue ou conservée, on peut pas faire grand chose. Allez! C'est vrai qu'on peut pas faire grand chose. Du coup, c'est pas ouf. C'est pas ouf. On peut même pas gérer sa composition. Peut-être qu'on peut, hein, mais... Après, c'est moi qui n'ai pas su le faire, mais ça m'étonnerait quand même. Voilà, ça va, plus ça va vite. Allez, Thierry! Les frappes, on les voit même pas partir. On voit le tir et directement, même pas une seconde après, c'est le ballon qui est dans les bras du gardien. Donc voilà. Oh, cette frappe! Encore une frappe et on n'arrête pas. Il faut pousser les gars. Allez. Il y a frappe là. Patrick, pas ça. Oh, c'est beau. Dennis Bergkamp. Et c'est Cucidini, le gardien de Chelsea. Dans le même temps, une charnière centrale, Franck Leboeuf, Marcel Desailly, c'est pas facile à passer. Ah, c'est moche, hein, c'est moche. On voit les progrès qu'on a fait de 2001 à 2016. C'est bien. Oh non! La boulette! C'est quoi ce gardien? Pourquoi je prends des buts comme ça et eux ils arrêtent tout? Il fait une passe et bon, le gardien, le ballon passe sous les jambes. Allez! Bon, allez, 2-0, doublé d'Hasselbank. Il n'y a pas de souci. C'est totalement cheaté, ce jeu. C'est totalement cheaté. Il n'y a pas d'autre mot. Alors, est-ce que je peux, voilà, gérer la tactique?
Parce que là, déjà, on me fait partir dans un truc qui ne me convient pas. On va partir avec un truc très offensif. Voilà, un petit 4-3-3 avec des contre-attaques. On va quand même mettre un certain pressing. Une équipe qui attaque. Un jeu légèrement plus direct. En passant par les ailes. Donc, sur ce 4-3-3, on met Thierry Henry, Bergkamp et Sylvain Whitford. Je peux pas le faire? Pourquoi je peux pas le faire? Pourquoi je peux pas faire de changement? Non, ils veulent pas. Je peux pas faire de changement. C'est quoi ça? Ouais, c'est bizarre. Voilà, on est là. Ouais, c'est vraiment très bizarre. Je peux même pas faire de changement. Peut-être que je peux le faire ici. Remplacement. Est-ce que je peux le faire là? Je peux le faire maintenant. Oui, on peut pas les faire à la mi-temps. On peut les faire maintenant. Oh, par contre, ça, on va pas mettre David Seaman sur le. David Seaman à l'attaque. Donc, on fait sortir par l'or. L'entrée. Alors, on voit les capacités du joueur. Canou qui est très technique, très bon en tir. Après, Wiltord qui a quand même plus de rapidité. Plus de rapidité. Meilleur en tir, meilleur de la tête. Allez. Allez, Sylvain. Allez! J'ai réussi à faire mon premier changement tactique. Yes! Par contre, on prend des bugags. On prend vraiment des bugags. Allez là, toi le numéro 5, là, je sais pas quitter. Et par... le gardien adverse, il arrête tout. Alors, c'est un jeu Codemasters, comme vous avez pu voir. C'est assez. D'accord, ben voilà. Comme vous avez pu voir, c'est un. Ben, Codemasters qui faisait. Merci Wiltor d'aller le numéro 15. Qui fait actuellement des, ben, des jeux de voitures, notamment la grosse licence F1. En fin 2016 qui va bientôt sortir, mais là il faisait des jeux de gestion, simulation sur, sur console. Ils étaient dans le football. Avant ensuite de se spécialiser dans les jeux automobiles. Notamment Dirt Rally. Oh là là, mais 4-0, mais what the fuck, ils font une frappe, un but. Et moi je fais je sais pas combien de frappes. On va aller voir les stats du match. C'est n'importe quoi. Il arrête tout le gardien. Il se téléporte, c'est... c'est cheaté. Putain, putain. C'est totalement cheaté. On pourrait faire un test de mettre Liverpool ou Manchester United contre Nancy. Contre une équipe de 3ème division française. Si on prend 4-0, c'est qu'il y a un souci. Est-ce que ce jeu est réaliste? Ou est-ce qu'il y a des scores fleuves à chaque match? Ça serait énorme. Tu gagnes tous tes matchs ou tu perds tous tes matchs. Oh, Di Matteo qui rentre. Perds tous tes matchs 4-0 ou 5-0, c'est hallucinant. Le centre. Je sens le cinquième. Hein. On le sent venir le script, vous l'avez vu. Avec ce coup franc. Pour une fois qu'il arrête quelque chose, lui. Allez, Wiltord. Allez! On s'habitue un petit peu à ce compteur, mais bon, quand même. Hein. Ah là 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 là. C'est cheat. C'est totalement cheat. Allez, pour finir, on va faire ce que je disais. On va faire le petit test. On va faire ce petit test. Ah non, hop, ça, on s'en fout. On quitte. On va faire ce petit test. Est-ce qu'on va perdre 4-0? Si on met Manchester United face à une petite équipe. Man U versus... Allez. Versus qui?
C'est là qu'on se rend compte qu'il y avait certains clubs qui étaient en Ligue 2, quoi. Martigues en Ligue 2, Montpellier en Ligue 2. Et en Ligue 1, on avait qui? Ouais, ça fait bizarre. Parce que bon, il y a un club de Ligue 2. On met Cannes. Allez, on met Cannes. Manchester United versus Cannes. Attention, le tapis rouge. Bon, là, on est d'accord. En termes d'évaluation, on voit bien Manchester United qui a beaucoup plus d'évaluation que Cannes. Par contre, les arbitres sont très mauvais. Il a quasiment rien en vision et rien en sévérité. Bref. Ah, là, ça fait plaisir. Fabien Barthez, Yapstam, Brown, Ryan Giggs, Paul Scholes, c'est Roy ou c'est Robbie Keane? C'est Roy Keane, ça. Roy Keane, David Beckham, New York, Sherrigam. Wouh! Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Et évidemment, côté Cannes, on connaît pas grand monde. Ouais. Bon, ouais, là, on va pas me la mettre à l'envers. Là, je pose la manette et j'attends. Si on perd, c'est qu'il y a un petit cheat. Et pour cela, comme la vidéo va avancer, on va mettre ça en match rapide. On met ça juste en match rapide, juste pour voir le score. Voilà, juste une simulation simple. Pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Est-ce que le script va faire effet? Voilà, c'est n'importe quoi, on voit rien du tout. Ah d'accord, j'ai cru qu'il y avait penalty pour les joueurs de Cannes. Beckham qui n'est pas capable de battre cette équipe. J'ai l'impression que ça recommence, hein, on voit pas tout. J'ai l'impression que le gardien adverse est légèrement cheaté. Eh oui! Le but de Cannes, Goël. C'est énorme. ...2-0 pour Cannes contre Manchester United. Je vous le dis, le script a opéré. Le gardien adverse est énorme. Ouais. Là, je suis désolé, mais là, il y a un très gros problème. Il y a un énorme problème dans ce jeu. On va se terminer. Enfin, on va se terminer. Oui, moi, je vais aller me terminer. Franchement, on va s'arrêter là-dessus. J'espère que... un magnifique score. Hein. Si vous habitez à Cannes, vous serez content de voir ça. À Old Trafford, en plus. Quelle honte. Bon. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me suggérer d'autres jeux et à me dire ce que vous avez pensé de celui-là. Je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner et à la prochaine.